faire cette interview, tout simplement parce que ça me permet de donner à Odyssea tout le soutien que ce projet mérite. Je suis très 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 heureux d'avoir pu contribuer à l'adoption dans le cadre du programme Interreg, du dispositif de soutien. Odyssea est juste ce qu'il faut faire, un exemple à suivre dans le cadre des missions qui sont les miennes, puisqu'il s'agit de faire émerger et d'entretenir le lien entre les différentes géographies de notre espace naturel. Le projet Odyssea aura pour objectif, pour ambition, de permettre de développer des connexions maritimes et donc du coup davantage de coopération dans le domaine du tourisme entre l'ensemble de nos îles, en comptant effectivement aussi le territoire continental qu'est la Guyane, et en faisant en sorte que la complémentarité naturelle de nos différents espaces puisse trouver sa pleine expression. Il n'est pas souhaitable, et c'est tout le contraire qu'il faut justement poursuivre, que nous ayons une logique de développement touristique qui soit l'un contre l'autre. Le bassin Caraïbes est un bassin qui trouvera bien sûr effectivement sa pleine expression politique, sa pleine expression économique, sa pleine expression de développement, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, sa pleine expression culturelle dans la coopération entre les peuples qui le constituent. Et je crois que le projet que je suis en train aujourd'hui d'applaudir est un projet qui va dans la bonne direction. Un mot peut-être à l'attention de la jeunesse. Le projet Odyssea est un projet qui se caractérise par son impact en termes d'emploi. Et vous le savez, à l'échelle de nos territoires, la question de l'emploi, et particulièrement la question de l'emploi des jeunes, est une question cruciale. Les assises des Outre-mer, le livre bleu adopté il y a de ça un an, sont là pour témoigner de la préoccupation du gouvernement. Et je voudrais dire que sur ces questions, nous serons toujours très attentifs à faire en sorte de valoriser les gisements d'emploi, les gisements de qualification que l'économie bleue est susceptible d'offrir à nos territoires, à tous nos territoires. Faisons ensemble le pari que, avec justement cette dimension de coopération régionale, nous pourrons plus largement et surtout de façon cohérente par rapport aux économies qui sont les nôtres, faire justement ce pari de la croissance et de l'emploi.